couche d'âne. Aujourd'hui, nous allons parler de kata. Ce que je viens de faire s'appelle un kata en japonais. Kata, ça veut dire forme, moule. Kata, c'est une sorte d'étude en fait, qui permet de travailler en peu de temps un enchaînement de mouvements éducatifs et de mouvements de combat. Donc, il existe des kata ordinaires, des kata plutôt éducatifs justement, et des kata de plus en plus élaborés en fonction du niveau qu'on peut avoir, bien sûr. Alors le kata, c'est un combat contre plusieurs adversaires imaginaires. C'est ce qui explique que dans certains cas, je fais un blocage, une contre-attaque, je continue, blocage, contre-attaque. Quelquefois, je fais un blocage à trois contre-attaques, puisque j'estime à ce moment-là que l'adversaire est peut-être plus coriace que les autres. Et en tout cas, dans ce kata qui est un kata éducatif, on retrouve des mouvements de base que vous connaissez, des mouvements très basiques même, comme le blocage, le gambara et le uzuki. Et donc, on fait une sorte d'assemblage de ces mouvements qu'on retrouve dans différentes situations et dans différentes orientations. Et c'est ce qui permet, puisque les mouvements sont basiques et simples, ce qui permet donc d'apprendre très tôt et très rapidement un kata. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va apprendre ce kata, Taiki Okushodan. Et pour ce faire, je vais me mettre dans le même sens que vous. Je vais d'abord faire les mouvements doucement, vous allez ensuite les faire. Puis je ferai les mouvements un petit peu plus vite, vous essaierez de les faire en même temps que moi, et ensuite je les ferai rapidement, et là vous regarderez vraiment avant de les faire, et je vous laisserai du temps pour ceci. Donc je me tourne, et lorsqu'on fait un kata, on salue, donc vous pouvez saluer en même temps que moi, et on annonce le kata. Le kata s'appelle Taikyoku Shodan. Ensuite on se met en yoi, la position préparatoire. Pied gauche, pied droit, puis les poings fermés. Et là, on retrouve le Gedanbarai qu'on a déjà vu, mais en le faisant sur le côté. Je le fais d'abord doucement, vous regardez bien. Je déplace mon pied, j'arme mon poing, et en tournant mes hanches, je réalise mon mouvement sur la position également que vous connaissez très bien déjà. Je refais ça une fois doucement. Et je le refais doucement et vous le ferez après moi. Je vais faire un petit peu plus vite maintenant. Vous regardez d'abord toujours. Maintenant à cette vitesse, je cherche à le faire en même temps que moi. Mais. Et maintenant je vais le faire très vite. Vous regardez d'abord et vous faites après moi. Maintenant, on va enchaîner avec la contre-attaque qui vient derrière le blocage. Donc le blocage, la défense, j'appellerais ça plutôt une défense qu'un blocage d'ailleurs. Gedanbarai d'abord, et après moi. Maintenant, vous me regardez, je fais Oizuki la contre-attaque. Et vous la faites aussi. Et on revient au point de départ. On recommence. Je fais le blocage à vous. Je fais l'attaque. Maintenant, je fais le blocage et l'attaque. Vous attendez, puis vous faites aussi le blocage et l'attaque. Vous voyez bien que logiquement, on n'attend pas après la défense pour faire l'attaque, bien sûr. Qui permet de surprendre l'adversaire. Voilà,
je vous laisse quelques minutes pour travailler cet enchaînement, puis nous nous retrouvons ensuite pour voir la suite. Continuons donc sur l'étude de notre kata taiki ou shodan. Je me remets donc au point de départ. On a fait le salut, on a annoncé, on est en yoi. On a fait la première défense, on a fait la première contre-attaque. Et maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc si par exemple on partait de la position yoi, on pourrait dire que ce qu'on a fait à gauche, on le fait à droite. Mais on ne part pas de la position yoi, on part déjà du mouvement où on s'est arrêté. Donc, de ce mouvement-ci. Je vous demande de vous mettre au même endroit que moi et de faire déjà la première phase de ce mouvement qui est le moment certainement le plus difficile du kata. Donc la première phase, c'est de reculer le pied avant, le pied droit, bien croiser derrière et d'armer le point droit. Voilà. Vous avez bien compris que ce mouvement d'armée préfigure une rotation qui va permettre de refaire cette défense-là de l'autre côté. Donc, on se remet dans la même position et ensemble, regardez sur moi en même temps, ensemble, 1, 2. On a donc retrouvé cette position. Maintenant, on va le faire un tout petit peu plus vite. Vous regardez d'abord. Et vous le faites. Encore une fois, on prend bien soin de bien réaliser la première phase du mouvement et vous faites le mouvement. On recommence. Et maintenant, on enchaîne avec l'attaque suivante. Donc, puisqu'on a déjà fait ça à gauche, à droite, ça va être un petit peu plus facile. On va donc pouvoir enchaîner dès le départ, c'est-à-dire que je vais faire mes deux mouvements, 1, 2, et vous allez faire également vos deux mouvements après moi. On va se permettre d'aller un tout petit peu plus vite maintenant. On revient encore à ce mouvement-là. Et je vous laisse le temps de faire tout ça. Ces quatre premiers mouvements qui constituaient deux enchaînements mais qui n'en font plus qu'un, on va travailler ça sous forme d'enchaînement. Donc moi je fais les deux premiers mouvements, vous me suivez, je fais les deux mouvements suivants, vous me suivez également. De la même façon que tout à l'heure, je vais vous laisser, après une pause d'image, faire quelques fois cet enchaînement pour bien vous y habituer avant d'aller plus loin dans ce cours. Bien. Alors, on a commencé à apprendre ce kata, Taiki ou Shodan. On a vu le premier enchaînement, les quatre premiers mouvements. On a bien compris le sens du kata pour l'instant. Et ce que je voudrais à ce moment de la leçon, c'est expliquer un peu pourquoi on fait cette défense et pourquoi on fait cette contre-attaque. Donc pour ce faire, je vais demander l'aide de Jean-Claude. Et donc Jean-Claude va se mettre dans une position qui va lui permettre ensuite de m'attaquer. Et moi je suis comme dans le kata, c'est-à-dire je suis de profil par rapport à mon adversaire. Alors si je faisais exactement comme on fait dans le kata, lorsqu'il m'attaque, j'irais vers lui, puisque je déplacerais mon pied gauche vers lui. Mais quand on est débutant, c'est un petit peu gênant, c'est difficile à faire, et il faut régler ce petit problème. Donc pour le régler, au lieu d'aller vers lui, je m'éloigne de lui. Lorsqu'il m'attaque, je prends la même position, mais en m'éloignant de lui, et ensuite, je le contre-attaque. Et vous voyez qu'il ne fait pas de défense, c'est-à-dire qu'il est supposé être
mis hors de combat par ma contre-attaque. De cette façon-là, logiquement, je pourrais m'occuper de l'adversaire qui sera derrière, parce que si jamais il se défendait contre mon attaque, eh bien, il faudrait que je continue à me battre avec lui avant d'aller vers l'autre adversaire. Ce serait bien sûr logique. Donc, voilà un peu la logique du kata pour l'instant. Donc Jean-Claude va m'attaquer, d'abord doucement pour bien montrer comment ça se passe. Je bloque. Et je contre-attaque. Maintenant, il va m'attaquer vite. Je bloque et je contre-attaque. Vous voyez que je ne perds absolument pas une seconde lorsque je me suis défendu pour le contre-attaquer. Merci. Voilà. Donc, ceci étant compris, lorsque je vais partir de l'autre côté, ben, j'imagine qu'il y aura un autre Jean-Claude ou un autre adversaire en train de m'attaquer, et c'est comme ça que je vais donner du sens finalement à ce que je suis en train de faire. Ensuite, quand je ferai mon kata dans le vide, j'essaierai d'imaginer ces adversaires contre lesquels je suis en train de me défendre. Donc maintenant, nous allons passer à la suite du kata. On va revenir au quatrième mouvement, mais je vais quand même refaire les quatre mouvements. Je vais m'approcher un petit peu de la caméra, puisque maintenant il va nous falloir de la place aussi devant. Donc, je refais les quatre premier mouvement et je l'ai fait sans prendre d'amplitude pour que vous les voyez bien et complètement. Voilà. Et à partir de ce mouvement-là, maintenant, vous vous mettez dans la même position que moi et on va prendre cette direction. C'est-à-dire qu'on va déplacer le pied gauche, armer la main gauche. On va faire ça plusieurs fois. Je vais maintenant m'éloigner un tout petit peu de la caméra pour qu'en même temps vous puissiez bien voir mon pied. Et maintenant, vous avez bien compris que la suite, ça va être de faire ce blocage. Donc, je recommence et vous le faites avec moi doucement. 1, 2. Vous remarquez que quand je déplace mon pied, je ne tourne pas mon corps. Je tourne mon corps pour impulser mon mouvement et lui donner son efficacité. Et maintenant, avec moi également, vous avancez et vous donnez un coup de poing en face de vous. Normalement, il y a deux coups de poing encore derrière, mais pour l'instant, on s'arrête à celui-ci. Après moi. 1, 2. Pour une fois. 1, je commence. Et maintenant, j'enchaîne ces deux mouvements. 1, 2, et vous les enchaînez aussi. Une fois. Très bien. Je vous laisse encore quelques minutes pour travailler le début de cet enchaînement et le rassembler avec l'enchaînement qu'on avait vu précédemment. Bien, nous allons donc continuer ce kata, l'étude de ce kata, et nous allons reprendre au quatrième mouvement, c'est-à-dire ce mouvement-ci, et nous allons faire les quatre mouvements suivants. Tout à l'heure, on a appris ce mouvement Gedanbarai et Oizuki, mais maintenant, on va continuer Oizuki et Oizuki. Pourquoi faire trois contre-attaques plutôt qu'une ? Parce que cet adversaire est un petit peu plus coriace et on n'a pas réussi à le toucher sur la première contre-attaque, donc on en fait une deuxième et comme ça ne marche pas, on accélère pour la troisième. Ce qui fait qu'on fait un blocage et une attaque directe, ça n'a pas marché, on refait une attaque et une attaque directe. Donc ça donne comme rythme 1, 2, 1, 2. Alors on va le faire ensemble. Le premier enchaînement est simple, on l'a déjà fait. 1, 2, vous pouvez donc le faire. Et maintenant, 1, 2. Quand vous serez un peu plus avancé, vous verrez que sur le dernier mouvement là-bas, on fera ce qu'on appelle un kiai, un cri, en fait, qui montre que c'est un point culminant du kata et qu'en fait on a affaire à un adversaire peut-être plus coriace qu'un autre. Donc à ce moment-là, on met encore plus d'intensité si c'est possible et on ponctue ça de ce qu'on appelle le kiai, qui est une union de toutes nos énergies et qui nous donne la force, une force fondamentale qu'on peut avoir quand on est vraiment en danger. Donc, on refait encore cet enchaînement.
On se remet encore dans cette position. Je fais deux mouvements. Un, deux, à vous. Un, deux, à vous. Et pour finir, pour l'apprentissage de cette partie du kata, je vais maintenant faire les quatre mouvements et vous allez vous-même faire les quatre mouvements après moi. Donc vous me laissez finir. Là pour l'apprentissage de ce kata pour l'instant. C'est donc une première partie et on verra la suite de l'apprentissage de ce kata dans un prochain film, la deuxième partie donc de Taikyoku Shodan. Merci de votre attention et à très bientôt.